L'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 4, la vie politique. L'État est nécessaire, mais il faut précisément limiter ses missions de contrôle. Il doit absolument se contenter d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Ce sont donc très naturellement les libéraux qui, sous le Second Empire, vont dénoncer les prétentions de l'État à jouer le rôle de la Providence. L'expression « État-providence », sous le mode péjoratif et sarcastique, est née. Elle sera employée pour la première fois par Émile Ollivier en 1864. Alors, par métaphore, l'État est ainsi assimilé à Dieu. La Providence, en effet, c'est la volonté de Dieu, la force supérieure à l'œuvre. Le mot vient du latin providentia, prévision, construit sur voir en avance, voir devant, ce que signifie d'ailleurs explicitement le verbe videre, voir, pro en avant. La providence, c'est donc la prévision divine, sa prévoyance. Si l'État est désormais providentiel, c'est qu'il est prévoyant, il sait par avance quels risques courent les citoyens et la société. Il anticipe sur ce qui pourrait arriver. Au fond, il se fait assureur plus que rassurant. La fonction de redistribution sociale n'est venue ainsi à l'État que très tardivement. On peut rappeler par exemple que les dépenses d'assistance ne représentent en 1788 qu'1% des dépenses de l'État, quand aujourd'hui la protection sociale pèse environ 60% du PIB. À la même époque, la dépense d'éducation est estimée à 0,2%. Alors, selon quel mécanisme l'État a-t-il été conduit à organiser la protection sociale ? Il est tout d'abord souhaitable de rappeler que cette extension de l'intervention de l'État à l'assurance contre les risques sociaux, s'inscrit assez naturellement dans la nature tutélaire de l'État. La sécurité des biens et des personnes garantie, l'État répond à sa vocation première en cherchant à assurer désormais les individus, mais cette fois-ci contre les accidents du travail ou la précarisation des conditions matérielles d'existence. Cependant, en réglant ces questions, l'État fait irruption dans le domaine des relations particulières entre individus. Aux yeux des libéraux, les accidents du travail ou la pauvreté ne sont pas des problèmes collectifs, ne sont pas des problèmes politiques. Ils relèvent des responsabilités individuelles. Or, la révolution industrielle et les grandes mutations sociales du milieu du XIXe siècle vont révéler, par exemple, que la pauvreté cède la place à ce qu'on va appeler le paupérisme. Paupérisme, c'est un mot popularisé d'ailleurs par Louis-Napoléon Bonaparte et son étude du paupérisme en France. C'est un terme qui désigne une pauvreté durable, une pauvreté structurelle et stable en quelque sorte, qui n'a plus rien d'un accident individuel et qui se révèle être un véritable fait social, facteur de troubles publics. Des formes nouvelles de secours et de prévoyance vont donc apparaître. La loi du 18 juin 1850 institue ainsi une caisse nationale des retraites. Celle du 15 juillet de la même année fixe les dispositions relatives à la création de sociétés de secours mutuels. Voilà comment débute l'État-providence. Alors historiquement, bien sûr, c'est à Bismarck que l'on doit d'avoir conçu un premier système d'assurance sociale, la loi de 1883 sur l'assurance maladie obligatoire, la loi de 84 sur l'indemnisation des accidents du travail, celle de 89, sur l'assurance vieillesse, tout cela constitue un dispositif très cohérent. Alors on connaît bien sûr les motivations de Bismarck. Hein. Je cite « faire un peu de socialisme pour éviter les socialistes ». Se met ainsi peu à peu en place en Europe un vaste dispositif que viendra perfectionner en 1942 le Social Insurance and Allied Service, appelé communément « Plan Beveridge », et qui donne à la notion de risque social une acception large, englobant toutes les menaces qui pèsent sur les revenus réguliers d'un individu. L'État unificateur organise fort logiquement la solidarité entre les citoyens, concrétisant ainsi l'idée de cohésion sociale. Sur le plan philosophique, cette évolution de l'État traduit un changement important. La valeur n'est plus dans la liberté, explique Michel Foucault, mais dans le fait d'être vivant. L'État-providence s'unifie autour de la protection du vivant. Fin de citation. Nous sommes, selon lui, entrés
dans l'ère de la biopolitique. Dès lors, on peut concevoir que le contrôle finisse par investir la sphère la plus intime et qu'il s'effectue de manière douce, par le biais de gratifications et du confort qu'elle réalise. Au moyen des aides qu'il distribue, l'État quadrille plus efficacement la société. Il encadre les plus démunis, c'est-à-dire qu'il les neutralise, qu'il les contrôle. Certes, le coût financier est lourd pour la société, mais celle-ci s'offre à ce prix la paix sociale et une stabilité politique. Alors, d'un autre côté, pour équilibrer cette vision cynique, on peut dire que l'État-providence assure aussi le passage de la morale au droit. Ce qui était naguère un impératif moral, après avoir été un devoir religieux, devient aujourd'hui une réalité juridique. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.